Pascal de la section discothèque bibliothèque de la Pléiade. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est un court-métrage. On appelle court-métrage un film dont la durée est inférieure à 33 minutes. Les films de plus de 30 minutes sont généralement appelés moyen-métrage. Les longs-métrages, quant à eux, dépassent 1h28. Depuis quelques années, on appelle très court les films qui n'excèdent pas 3 minutes. Le court-métrage apparaît à la fin du 19e siècle, avec notamment la création d'un appareil de prise de vue de Thomas Edison en 1891. Mais c'est le 28 décembre 1895, grâce à l'invention du cinématographe des Frères Lumière, qui est considéré la naissance du cinéma. À Paris est projetée la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Les courts-métrages sont diffusés majoritairement dans les cirques, music halls, attractions foraines. Dès 1907, des salles en dur et plus confortables sont construites. C'est l'invention du cinéma comme un lieu. Les moyens techniques évoluent, les films durent plus longtemps. À partir de 1940, il est possible de découvrir des courts-métrages tout au long de l'année dans les salles de cinéma. En 1969, Le Grec, groupe de recherche et d'essais cinématographiques, est créé permettant la réalisation de premiers films de courts-métrages ou documentaires. Il existe des centaines de festivals de courts-métrages en France. On peut citer ceux de Pantin, Grenoble, Trouville, Lille, Brest, Cannes. Et près de chez nous, celui de Clermont-Ferrand, qui a lieu en février. D'ailleurs, il est considéré comme le deuxième festival le plus important après Cannes. Et bien évidemment, en prêt de DVD dans votre médiathèque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.